Parlons Star Wars, parlons bien. Ça fait un petit moment, hein. J'avais fait ce genre de vidéo il y a presque 6 mois et j'avais jamais renouvelé le genre. Pourtant, ça avait plu, c'est un concept qui avait plu. Mais je sais pas, j'ai laissé passer d'autres thèmes avant d'autres parce que j'ai tellement de playlists différentes sur ma chaîne que du coup, forcément, il y en a qui passent un peu plus à la trappe. Pourtant, voilà, c'est pourtant quelque chose qui pourrait être un peu plus présent sur ma chaîne et je crois que je vais essayer de faire en sorte qu'il soit le plus présent possible. Alors, pour ceux qui atterrissent, ce concept de vidéo, c'est tout simplement, voilà, j'ai une liste, une méga liste de news sur Star Wars et tout simplement, je vais vous parler, voilà, comme ça, tranquille à la bonne franquette, comme on dit. Voilà, regardez, je suis posé sur un canapé. Je filme avec mon portable, donc du coup, le son est pourrave. Mais voilà, on est vraiment entre nous, tranquille. Vous pouvez vous asseoir à côté de moi, il n'y a aucun problème. Et on va parler de l'actualité de Star Wars. Et bah, on va voir un petit peu ce que ça nous réserve. Bien évidemment, juste, je n'ai pas été voir certaines news qui parlait un peu trop de Rogue One, un peu trop de Star Wars vite parce que j'évite de trop me spoiler. Donc quand je vois des titres un peu trop, voilà, qui pourraient m'en apprendre un peu trop, je laisse tomber et je vais en voir d'autres. Donc vous êtes prêts? Allez, parlons Star Wars. Et on va commencer fort parce qu'on va parler de Star Wars 8. Et justement, alors, il y aurait apparemment des indices sur des reshoots du Star Wars 8. Alors déjà les reshoots, j'aimerais en parler un petit peu. Les reshoots, c'est tout simplement des reprises de tournage. Et le 8, ou Rogue One, non, c'est Rogue One, ouais, qui avait fait une polémique là-dessus, parce que les gens disaient, oh mais s'il y a des reprises de tournage, c'est qu'il y a un problème, c'est que le film est complètement mauvais et tout. Et puis finalement, on apprend que des reshoots, ça se fait très régulièrement dans le monde du cinéma, et que il n'y a pas forcément matière à lever la voix, hausser le ton, à voilà, faire des manifs dans la rue. Non, je ne sais pas, mais bon, enfin, voilà, c'est un petit peu énervant. Quoi. Bon, il y a des gens tout de suite, oh là là, oh là là, c'est un film mauvais, c'est un film mauvais. Bon, essayez de voir un petit peu ce qui se fait ailleurs avant de gueuler. Je veux dire, moi, ça ne m'a pas plus inquiété que ça. Au contraire, le fait qu'il y ait des reshoots, c'est une preuve pour moi qu'ils font attention à leur bébé. Allez, imaginez, je sais, je prends toujours Marvel comme bouc émissaire, mais regardez un Marvel, je sais qu'il y a peut-être des reshoots, mais est-ce que ça a déjà fait polémique? Est-ce que voilà, parce que il y en a peut-être, mais peu, ou alors c'est pas forcément très important, je sais pas. Faudrait que je me renseigne un peu plus, mais en tout cas, voilà, pour moi, s'il y a des reshoots, c'est que justement ils prennent le temps de faire leur film et que ça pourra que être mieux avec ces reshoots. Tout ça pour dire que les indices pour le début des reshoots serait tout simplement un agencement d'emploi du temps des différents acteurs du film de Star Wars 8. Voilà, ils ont agencé leur emploi du temps pour tourner apparemment du Star Wars et donc les gens en déduisent que c'est pour Star Wars 8 pour les reshoots. Parce que normalement, le tournage de Star Wars 8 est terminé. Voilà, on peut passer au prochain. Le prochain, c'est Rogue One. Et qu'est-ce que je dis sur Rogue One? Je dis que Michael. Ouais, ben, je vais essayer de pas me gourer. Michael Giacchino, bon, c'est un Italien, apparemment, qui remplacera Alexandre Desplat. Je vais bien le dire, cette fois c'est un Français. Alexandre Desplat à la musique de Rogue One. Et oui, c'était un bon Français qui faisait la musique, et puis du coup, il est parti. Et apparemment, lui aussi, c'est à cause tout simplement d'un emploi du temps, mais ça, j'y crois pas trop. Après, y en a qui disent oui, mais alors il part, mais il a dû déjà faire les musiques pourtant. Eh bien, je crois que non. Parce que pour le 7, je crois que John Williams avait fait les musiques vraiment très tard, après la fin du tournage. Ce qui est assez dingue, je trouve quand même, non? Enfin, faire des musiques vraiment après, c'est-à-dire que les acteurs, quand ils vont jouer, ils sauront pas trop quelle attitude prendre en fonction de la situation. Enfin, même si, bon, en général, je sais pas, on peut leur dire, ouais, il y aura tel type de musique, mais bon, enfin, je sais pas, pour se mettre dans l'ambiance, c'est peut-être important, non? Bon, je sais pas. En tout cas, ça a bien marché pour le set, alors. Mais voilà, bon, c'est quelqu'un d'autre qui a pris sa place.
Je crois que tout simplement Disney a dû lui mettre la pression et je sais pas, il s'en est allé. Après voilà, bon, on s'en fout aussi. On s'en fout, tout ce qu'on veut savoir, c'est que voilà, ben, ce sera pas le même, c'est dommage. Mais après, la vie privée, bon, c'est du boulot, c'est un boulot comme un autre, il se fait virer, il se fait virer. Ou alors, il démissionne, il démissionne. Bon, voilà, les raisons, après, c'est pas notre vie, quoi, tant pis. Et cette nouvelle personne-là, Michael Giacchino, il a déjà travaillé pour Pixar, notamment sur les Indestructibles et vice-versa, et même du coup déjà pour Disney sur Zootopie. On revient sur Star Wars 8 et Warwick Davis, est-ce qu'il vous le dit quelque chose celui-là? Il fera encore son apparition, mais on ne sait pas encore comment. Cette personne-là a fait son apparition, alors a fait plusieurs apparitions dans Star Wars, mais on l'a pas toujours vu en tant que tel. C'est une personne de petite taille et qui a pas joué, non, on peut pas dire joué, qui a incarné l'Ewok le plus connu de Star Wars 6. Il est apparu aussi dans le public lors de la course de modules dans Star Wars 1, La Menace Fantôme, et dans le 7, dans la Cantina. Je crois qu'il y a d'autres de ces apparitions, mais je saurais pas vous le dire. Tout ce que je sais, c'est que voilà, on va le revoir dans le 8. On va le revoir entre guillemets, mais on sait pas comment. Voilà, tout simplement. Alors après, bon, bah, des petites news comme ça, tranquille. Star Wars qui débarque à la maison du Don de la rue de la République à Marseille. Donc c'est une affiche qui est faite avec une sorte de slogan à la Yoda. Bah, on va dire que c'est Star Wars qui sera le thème de ce rassemblement pour le don du sang à Marseille. Et il y aura par exemple des intervenants pour jouer de la musique de Star Wars ou aussi des personnes qui seront cosplayées en perso de Star Wars et voilà, qui accompagneront les gens. Donne ton sang, la force sera avec toi. Je sais pas moi. Mais bon, enfin, ce sera des trucs comme ça. Voilà, bon. Tranquille, tranquille, quoi. Autre news aussi, Le Petit Prince qui a été traduit en Norbèche. C'est une langue dans Star Wars. Et le mec qui l'a fait, c'est un breton. Ouais, j'allais dire un allemand, mais non, c'est un breton. Il s'appelle Jean-Michel Guivarch. Et pourquoi j'allais dire allemand? C'est parce que le livre s'est déjà vendu à 300 exemplaires en Allemagne et qu'il va peut-être, pratiquement certainement arriver en France. Voilà, je sais pas trop à quoi sert le livre, parce que vous allez l'ouvrir, vous allez rien comprendre. Donc, c'est plutôt pour une pièce de collection, je pense. Même, je suis sûr, parce que sinon, enfin, ça sert à rien. C'est un langage qui est inconnu. Donc bon, voilà, juste pour le fun. Il y a un fan film aussi, Star Wars, qui est sorti sur la bataille de Jakku, et plus précisément sur les Stormtroopers qui se préparent pour aller combattre sur Jakku. Et alors, je l'ai pas vu en entier, je vous l'avoue. J'avais pas trop le temps à ce moment-là. Mais de toute façon, je vous le mets juste là. Vous pouvez cliquer. Et puis, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer aussi. Et je vais aller le voir. Je vous en dis pas plus, de toute façon. Allez-y. Et puis, vous verrez bien ce qui se passe. Avant-dernière news, déjà. Et eh oui. Qui concerne le Sphéro BB-8. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était vers la sortie de Star Wars 7. Il y avait eu l'espèce de petit BB-8, là, tout petit mais extra cher, qu'on pouvait téléguider avec son smartphone. Ou alors il y avait même une télécommande aussi vendue, je crois, avec. Et voilà, bon, il se baladait dans la maison, il bougeait un peu tout seul. Je trouvais ça trop cool. Je voulais absolument l'avoir. Mais quand j'ai vu le prix, my God, c'était 169 euros. Et je crois qu'il n'a pas baissé d'un bête aujourd'hui. Ou alors, bon, c'est possible de le trouver un peu moins cher sur Internet, mais ça reste quand même 130 euros. Enfin, c'est n'importe nawak. Mais c'est con parce que putain, moi, franchement, je l'aimerais bien. Juste pour me marrer. Sauf que le truc, tu l'achètes, tu te marres 5 minutes et puis après tu fais putain, j'ai 160 euros de moins sur mon compte. Bon, bref. Mais je trouvais ça stylé. Et là, du coup, il y a quelque chose en plus, bah, peut-être pour relancer un petit peu, surtout qu'on arrive vers la fin d'année, un nouveau Star Wars qui arrive. Donc, du coup, c'est petit à petit, ça relance un petit peu la machine à sous. Et du coup, alors, ils ont fait quoi? Oui, c'est un bracelet. Ouais, un bracelet qui s'appelle. Je sais pas, il y a même pas de nom en fait. Le nom. Ou alors tout simplement je l'ai pas. Ah si, c'est Force Band.
Le bracelet Force Band. Donc tu peux soit toujours piloter BB-8 via ton smartphone, soit via le bracelet. Alors il faut télécharger une application sur ton smartphone qui sera liée au bracelet. Voilà. Qui peut simuler un sabre ou un pistolet laser. Tu peux ressentir la force aussi, bon, via des vibrations, hein, tout simplement. Et tu peux trouver des hologrammes fictifs de personnages dans la nature. CF Pokémon Go. Et puis voilà, le prix de ce bracelet, ce sera 90 €. Donc vous en avez en tout pour environ, je sais pas, 229, je crois, je sais pas s'il a baissé. Enfin bref, voilà. Vous en avez pour 229 € si vous achetez, le tout, le pack. Et puis voilà, bon, bah, si vous avez de l'argent à mettre à la poubelle, non, peut-être pas à la poubelle, mais bon, ça fait chier quand même d'acheter aussi cher un truc qu'on va servir assez peu. Et voilà. Mais bon, enfin, si vous voulez, vous pouvez me l'acheter aussi, hein. Si vous avez vraiment de l'argent à perdre, moi je l'accueillerai avec plaisir. Bon, allez, fini les conneries et on passe à la dernière news qui est quand même assez importante, puisque, enfin, je dirais bien, ouais, c'est presque la plus importante, c'est celle qui nous intéresse le plus. J'ai gardé pour la fin, parce que c'est le meilleur pour la fin. C'est pas grand-chose, mais ça augure que du bon. Enfin, je l'espère. C'est le patron de Disney, Bob Iger, qui prévoit de faire des films au-delà de 2020. Précisément, il veut tenir le rythme de un film par an après 2020, et il dit qu'il lancera peut-être une quatrième trilogie. Alors là, il va y avoir des personnes qui vont sauter de joie, d'autres qui vont dire « Oh merde, putain, ils font trop de trilogies là d'un coup, c'est pas bon, qu'est-ce qui se passe? » Et il y a moi qui dis, mais c'était normal, c'était prévu. Enfin, pour moi, c'est normal. Voilà. Ils feront ça tous les 2 ans, à mon avis, enfin, pour la trilogie, comme aujourd'hui. Et puis, entre les épisodes, vu qu'ils veulent sortir des films tous les ans, ils vont nous sortir des spin-offs. Voilà, enfin, je veux dire, le Star Wars, ça marche super bien. À moins que Star Wars 8, 9 et même les spin-offs se cassent la gueule et que du coup, ils arrêtent complètement l'idée de faire d'autres trilogies. Il n'y a aucune raison de ne pas voir une quatrième, même je dirais même une cinquième, même une sixième, même une septième, même une huitième, même une neuvième, même une dixième nouvelle trilogie. Mais vraiment, non mais là je blague pas, c'est normal, d'accord? C'est ça qui va se passer. Si bien sûr il n'y en a aucun qui se casse la gueule, mais ce que je veux vous dire par là, c'est que tant que ça reste comme ça, comme c'est aujourd'hui, ça ne s'arrêtera pas. C'est tout. Et dans Star Wars, il y a toujours plein de choses à imaginer. Alors, j'ai pas envie de dire, je vois pas pourquoi les gens gueulent contre ça, mais si, vous avez le droit de gueuler contre ça, mais. Je leur fais confiance. Il y a tellement de choses à faire avec Star Wars. Allez-y, lâchez-vous. Lâchez-vous, faites-nous des bons trucs, faites-nous des bons Star Wars, et puis. Moi, je serai là en tout cas. Moi, je veux les voir. Je veux qu'on creuse l'univers. Pourquoi pas? Pourquoi pas les creuser? Si c'est bien fait. Pourquoi pas les creuser? Bon allez, on va s'arrêter là. C'était le petit parlons Star Wars, voilà, ensemble, tranquille. J'aime bien faire ça. Franchement, je sais pas pourquoi je le fais pas plus souvent. Bref, je vais essayer pour la prochaine fois de connecter, je sais pas, une espèce de micro. J'essaie de connecter un micro pour que le son soit meilleur. C'est dommage. Bon, il n'est pas ultra dégueulasse non plus, mais j'aimerais bien un meilleur son avec le téléphone. J'ai pas envie de m'en ramener un gros micro à côté de moi et tout. Non, non, parce que. Vraiment, là, c'est. Comme je vous dis, c'est tranquille. C'est-à-dire que d'habitude, j'ai ma caméra, j'ai mon micro, j'ai mon logiciel qui tourne derrière, etc. Alors que là, j'ai juste lancé mon portable. Et c'est tout. Et donc, pour moi, c'est plus tranquille comme vidéo. Voilà, je suis assis sur un canapé, je me mets où je veux. Voilà. Et je veux que ça reste comme ça. Je veux que ça reste simpliste, ce genre de vidéo. Donc, si vraiment le son est intenable pendant les 15 minutes de vidéo que je vous ai fait à peu près. Bon, j'essaierai la prochaine fois de trouver un subterfuge, j'en sais rien. Mais sinon, enfin, je veux dire, on poursuit comme ça, hein. Moi, il n'y a aucun problème. Au moins, je me sens bien tranquille. Allez, eh ben, moi, je vous laisse, oui, et je vous souhaite de bien retourner à vos occupations. Ciao à tous et que la force soit avec vous.